cimetière, on dirait. Ah ouais. Ou une fourmilière. Ouais, elle est énorme. Ouais. C'est Il y a des canards là-bas. Ces variétés. Regarde. Toutes ces variétés de papillons. Oh là là, regarde là-bas. Regarde la taille de la main. Oh, des scorpions. Oh maman, viens voir les phasmes. Ouais, mais ils sont énormes. Ouais, et surtout, très magnifique. Ah oui. Oh, un phasme. Un phasme brun. Un phasme feuille. C'est une montre religieuse, ça? Non, c'est un phasme. Regarde celui-là, on dirait une feuille. Ça, c'est la montre religieuse feuille. Non, c'est pas... Ça c'est le... Je sais son nom mais je m'en souviens plus. Ça c'est toutes les sortes de montres religieuses. Ah, ils sont beaux ceux-là, regarde. Ouais. Oh, les libellules. Non. Oui, regarde, ça c'est une libellule. Ça ce sont des scarabées. Waouh. Oh. C'est bien conservé, hein. Ouais, méga bien conservé. Mais surtout, ça je n'oublierai jamais. Mais c'est tellement magnifique. Je trouve ça magnifique. C'est encore un bouton. Mais tu rigoles, c'est des sorcières. Aucun mal, ils sont morts. Ça, c'est des capricornes. Ouais, des capricornes. Non? Ouais, peut-être. Ça, ce sont des araignées. Oh, des scorpions. Ouais. C'est bizarre de voir un scorpion avec la queue toute droite, là, comme ça. Normalement, elle est repliée. Oh, regarde, maman. C'est un rose. Ah, ok, parfait. C'est beau. Et tu peux les toucher. Idéalement, non, parce que les oiseaux sont fragiles et sont vraiment asséchés. Ouais, tu vois. Hop, la casserole. La casserole. La casserole bouillante. T'as entendu? Il le boue comme ça, il devient tout mou. Et après, il peut le mettre là. Une fois qu'il est tout mou, on peut déplier les pattes et puis le mettre comme ça. Et après, c'est plus joli à présenter dans les vitrines. Ouais, moi je suis vraiment impressionnée par tous les insectes. Il est gros celui-là. Ouais, la goliatheuse, c'est même plus gros qu'à la terre. Là. Est-ce que c'est vrai qu'on peut en manger? Certains insectes, oui, mais pas celui-là. Là. Ah. C'est un autre kiosque en avant, à l'arrière de vous, qu'on va pouvoir manger les insectes. Oh, non. Ah, bah si, on va goûter. Ah bah pas moi. Ok, je vais essayer. C'est délicat. T'as vu Julien, regarde, ça le fait changer de couleur avec la vapeur d'eau. Ah oui. Waouh. Par contre, pour l'alimentation humaine, on se trouve plus vers le grillon ou vers le farine. Côté goût, c'est plus intéressant. C'est un goût que je peux rappeler les noix ou même les céréales. On va vraiment consommer le stade de l'affaire. Donc j'en ai des exemples ici avec des vagues qui sont séchées. Qui est un peu comme l'équivalent du cocon chez le papillon. Donc la larve va se transformer pour donner un scarabée à l'âge adulte qui va pondre des œufs. Donc nous, on consomme le stade de l'affaire qui est plus intéressant sur le plan du goût ou du plan nutritionnel. Mais éventuellement, si on les laisserait à l'âge adulte, c'est scarabée. Donc c'est toute la même espèce dans le même banc. Ouais. Ils mangent pas les tiges, souvent ils mangent pas les fleurs. Ils vont manger toutes les pommes, mais pas les noyaux. Ah ouais, bah ouais. Moi, j'adore manger les noyaux de pommes. C'est super intéressant. Tu peux dire que t'as pas envie de goûter, mais tu peux pas dire heurte, tu peux pas dire c'est pas bon. Tu veux pas. Tu veux goûter? Ça ici, là, quand on le met dans notre bouche, ça fait croître comme une chip, ça goûte le sirop d'érable. Ah ben voilà, c'est très bien ça. Ça
ici, c'est un petit peu plus épicé. C'est potelé, hein, c'est pimenté. Ouais. Lime, moi, je les trouve un peu forts, mais c'est parce que moi, je mange pas épicé. Ouais. Peut-être que je fais un bon jus. Ouais, mais je suis pas très épicé non plus. Là-bas, c'est à essayer parce que c'est nature, alors ça nous donne le vrai goût de l'insecte. Ça goûte l'herbe. Ça goûte l'herbe. L'herbe, le foin. Tu m'en laisses juste un petit peu ici. Ah! Ici, on peut goûter les insectes. Oui, c'est bon. Oui, c'est super bon. C'est super sucré. C'est super bon, c'est super sucré. C'est à quoi là? Oui, hein? Ça, c'est au lime. C'est une espèce de sauterelle, je sais pas quoi là. C'est plus gros, hein. Oui, c'est vraiment pour aller sur une autre table. Hein, pour... Il se cache. Ouais, ça, c'est moins... C'est moins fait. J'ai peur que tu te transformes en sauterelle. Ouais, je vais me transformer en sauterelle, je vais sauter de partout. Ouais. Non, mais regarde les grillons maintenant. Est-ce que tu vas vraiment te transformer en sauterelle? Manger grillons? Non! Ah ben? Non! J'ai peur que tu transformes en sauterelle. J'ai pas trop envie. C'est les blés. Érable. Ah non, t'aimes pas? Ah, t'as un petit peu. J'ai des pattes au milieu des dents. Ah c'est pas super. Mon père a des pattes. Je te conseille de commencer par le grillon. Oh, mon Dieu. Tu veux voir? Allez, un petit grillon. Moi, j'en ai mangé deux. Hein. Moi, je vais mourir si j'en mange. Maman, elle va mourir si elle en mange. Allez, courage. Ouais. Allez, c'est qu'un petit grillon. Je suis impressionnée, vraiment. J'ai peur. De quoi? Je sais pas. C'est une cacahuète, quoi. Ouais, non. Vite, autre chose. Donc ça c'est. Ça c'est une espèce de sauterelle à la lime. En fait. Allez, courage. Ça va. C'est pas bon, hein. Érable, érable. Je vois pas pourquoi on se fait du mal. Érable, érable. Ouais, fais le malin toi, t'as rien voulu ça goûter. De... Bon ouais. Ça c'est les meilleurs ça. Ça c'est vraiment ultra sucré. Prends en plus. Non, ça va aller, ça va. Ça va. C'est quoi? Ça c'est bon ça. En fait c'est le fait de savoir que c'est de la larve, de sécher. Je te fais tourner? Oui. Pas très vite. Pas très vite. Arrête. D'accord, j'arrête. Je te laisse comme ça? Non. Bah si. Il est énorme. Ah, il y en a un deuxième là-bas. Et là, on plaisante pas. Hein. Moi, j'ai pas envie de te retrouver dans l'eau. Hein. Ouais. Ok.
Alors, bah, regarde comme il joue. Il a des yeux. Il nage de travers. Ouais. Il est aussi bien. T'as vu, regarde. Regarde ceux-là comme ils sont longs. Regarde. Oh papa, les ailes de ce papillon-là font deux fois la taille de ma main. Ah, enfin, ouais. Les deux ailes font la taille de ma main. Ouais. T'as vu comme il est vitreux son œil? Ouais. Ah le requin, regarde. Sauver là-bas. Ah, Regarde, il lui donne à manger. Ouais. Ils ont un peu plus soif que l'autre fois. Ouais, ah, avant, il faut habiter. Il arrive tranquille. Ouais. Il se laisse vraiment porter par. Ah ouais, je suis tranquille. Ouais. Il y a Linda en état. Ouais. Il se laisse porter par l'eau. Où est-ce qu'il est, le bébé?